Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Parti de l'Asie en début d'année 2020, le coronavirus a conquis l'humanité. Même les grandes puissances ont été secouées et le monde s'est presque arrêté. Les pays qui ont pris très tôt la mesure de la situation semblent enregistrer moins de désastres. Cette pandémie inflige à toute la planète des mesures coercitives allant des lieux publics à ceux strictement intimes, puisque le mal peut venir de nulle part. Le gel va aller sur toute votre main. En intégralité. C'est pomme contre pomme. C'est bon? Oui. L'extérieur des doigts de chaque main. C'est bon? Tout ça, c'est 10 étapes, mais c'est en 20 secondes. Hormis le lavage régulier des mains qui est très moins onéreux et qui sauve des vies, il y a le port obligatoire des masques. Faudrait-il encore que cela s'apprenne selon le type de masque? On met la partie colorée dehors. Ok. D'accord? Vous gardez juste les bouts. Ne touchez jamais le filtre. Gardez juste le bout. Mettez-le comme ça, accroché au premier par l'oreille. Essayez d'appuyer le contour de la partie rigide au niveau de votre contour du nez pour éviter le moins d'interstices possible. C'est bon? Après, vous dépliez le masque. Vous voyez un peu? Vous allez voir que ça couvre votre nez, votre bouche, votre nariz et votre pharynx. S'il advenait que vous soupçonniez une possible contamination au Covid-19, voici ce que préconise le spécialiste en attendant les résultats d'un test. Pour quelqu'un qui a été en contact ou qui doute de quoi que ce soit, il faut faire la prévention. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État qui l'a recommandé. Vous avez vu les fiches thérapeutiques. En résumé, c'est quoi? Pour les adultes, le traitement préventif est fait de quoi? De phosphate de chloroquine, c'est ce qu'il y a qui existe actuellement. Phosphate de chloroquine, 250 mg, 1 comprimé par 12 heures. Après ça, la vitamine C, 1 comprimé par jour avant midi. Et enfin, le zinc, 1 comprimé par jour aussi. Le respect des mesures et directives instaurées par les autorités compétentes doivent être de mise car, comme l'a signifié le chanteur béninois Adekunle, on ne vit qu'une fois.